Alors, combien ils étaient? Bah, il y en avait plusieurs. Il y en avait là, il y en avait environ là, il y en avait derrière. Et là aussi? Et là aussi, ouais. Là aussi. Et il y en avait là. Ok, donc il y en avait là. Mamons en chiffres. T'as quel âge? L'âge de plus est difficile. Ça tombe bien, moi aussi. Mamons en chiffres. Football, maintenant nous sommes en direct avec Michel. Michel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les scores? Non. Merci Michel. On continue tout de suite avec une course de formule... Un monde sans chiffres. Vous l'y a combien là, monsieur? Vitesse raisonnable. Ouais, c'est limité à pépé, hein. Un monde sans chiffres. Rentrez. Vous êtes en retard. Les petites aiguilles en bas et grandes sur la droite. Eh ben voilà, jamais un petit peu sans un peu plus. Un monde sans chiffres. J'aimerais bien te revoir, tu peux me donner le moyen de t'appeler? Ouais, bien sûr. C'est touche du bas, touche du milieu droite, gauche, ouais exactement, grande diagonale à droite. Un monde sans chiffres. Bonsoir, je vous rappelle que pour ce tirage, eh bien la somme à gagner est de... Oh putain, sa mère, je suis riche, je démissionne et je te quitte. Bonne chance à tous. Un monde sans chiffres. On passe à l'histoire. Vous prenez vos livres à la page, pas tout à fait à la fin, mais presque. On va parler de la guerre d'il y a pas très longtemps, quand mon grand-père était jeune, avec les étoiles jaunes. Mais bah, vous êtes bien bourré. Excusez-moi. Ouais. Vous l'auriez en taille gros boule. Il ne reste que des petits derches. Désolée. Demain matin, il fera on se pèle les couilles dans la région du Havre. Ah, ah. Ça va pas? J'ai fait un cauchemar. Ah bon? Et oui, c'était horrible, on vivait dans un monde sans chiffres. Mais il y avait les lettres. Bah oui, oui. Toutes? Oui, toutes, les 26, ouais. Ah, le compte est bon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on est déjà beaucoup moins d'abonnés que Norman et ça, ça fait vraiment plaisir. Et sinon, tous les vendredis, sur le site, il y a les vidéos du Lab. Alors de la petite aiguille en bas et la grande en haut.